أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Je vous présente aujourd'hui la faculté des sciences islamiques de Paris. Et cet institut se trouve à Paris 20e, donc au centre de Paris. L'objectif, c'est de donner des enseignements, accompagner les jeunes pour leur apprendre la langue arabe essentiellement et les sciences islamiques. Et cet institut est un institut qui joue un rôle très très important. Plus de 3000 personnes sont passées par cet institut pour être formées. Et ce que je vous conseille aujourd'hui, c'est de vous intéresser à ce que fait l'Institut, la Faculté des sciences islamiques de Paris. Il y a des formations en langue arabe données par des docteurs, des spécialistes, des professeurs spécialisés de la langue arabe et qui peuvent vous permettre, selon votre besoin, soit d'apprendre la lecture du Coran, soit aussi de perfectionner la langue arabe, accompagné de séjours dans les pays arabes comme la Jordanie, le Maroc, la Tunisie, l'Algérie, où les groupes qui apprennent la langue arabe peuvent aller en immersion en quelque sorte pour parler arabe et pour approfondir leur niveau de la langue arabe. Et pour les sciences islamiques aussi, la faculté propose des formations de qualité données par des professeurs de qualité et qui peuvent apporter énormément aux musulmans de France pour les accompagner à avoir une bonne compréhension contextualisée de la religion musulmane. Donc le conseil que je vous donne, c'est de visiter cette faculté qui se trouve à Paris pour leur donner votre soutien et vous inscrire aussi et les accompagner par des dons parce qu'ils ont besoin de votre aide et de votre soutien. Et en tout cas, personnellement, je soutiens mon frère Nordine, qui est le directeur de l'Institut, je connais depuis des années, et c'est quelqu'un de très sérieux, qui a fait un travail extraordinaire, qui travaille depuis 5 ans pour donner une vie à cette faculté et pour accompagner les jeunes à avoir une bonne lecture de le Coran, du Coran et de la religion musulmane. Soutenez la faculté des sciences islamiques à Paris, soutenez son programme. Et je vous conseille de venir visiter cette faculté pour avoir une idée claire de cette équipe jeune qui gère cette faculté.